Ma passion du foot remonte tout petit, à l'âge de 4 ans, où j'étais avec mon grand-père qui s'occupait d'une équipe de corpo. Voilà, c'est là où j'ai commencé à aimer les odeurs des vestiaires, les rituels, l'ambiance. Voilà. Et ça a été multiplié aussi avec les matchs télévisés de l'époque, qui étaient rares, de Saint-Étienne, avec l'épopée de Michel Platini, et puis avec l'équipe de France, notamment le fameux carré magique et leur épopée de 82. C'est vraiment voilà, ces périodes où j'avais une dizaine d'années qui ont fait ma passion pour ce sport. Bah, c'est par rapport à ma jeunesse, on a tous une référence par rapport à sa jeunesse. Comme je disais, bon, il y avait Saint-Étienne. Voilà, en plus à cette époque-là, il n'y avait pas beaucoup de matchs, donc dès qu'il y avait un match à la télé, c'était un événement pour toute la famille. Voilà, et puis cette fameuse équipe de France qui a été la révélation de ce mondial et qui a généré beaucoup de passion, beaucoup d'engouement autour de leur prestations. Voilà, et j'en ai fait partie. Et après, dès que j'avais un moment de libre, voilà, je jouais au football et je me prenais pour Platini, Giresse et consorts. C'est vraiment à cette période-là où j'ai vraiment pris ce virus, et c'est vraiment la période référence historique, en tout cas pour le football français, de ma génération. J'étais un gros bourrin, moi. Je mettais des tacles de partout, les ballons dans les tribunes. Non, j'étais plutôt un joueur apparemment technique. Voilà, j'avais pas un gros gabarit, donc il a fallu que je ruse, voilà, que je déploie d'autres qualités, notamment la vision du jeu, le fait de se déplacer intelligemment, voilà, voir avant de recevoir. Donc voilà, une certaine élégance dans le jeu, dans la justesse de mon jeu, de faire jouer les autres. Voilà, un petit peu à l'image de mon idole, Michel Platini. Je pense que la tenue vestimentaire, ça représente aussi une image, ce qu'on est. Donc entre mon caractère, entre l'image que j'ai pu donner à travers ma carrière de footballeur professionnel, je pense que voilà, le fait de s'habiller d'une certaine manière, ça caractérise une personne. Voilà, moi j'étais un joueur plutôt technique, un petit peu plutôt fin, plutôt à une certaine élégance. J'essaye de retrouver ça dans ma tenue vestimentaire, et c'est ce que j'ai retrouvé aussi dans la gamme carré magique, voilà, avec quelque chose de chic, d'élégant, mais de sobre à la fois, et qui correspond carrément à ma personnalité. Merci beaucoup, Yann. Carré magique, c'est comme ça.